Excellence, Madame la Première Dame et Présidente de l'INFD, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Madame la Ministre des Affaires étrangères d'Italie, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la représentante présidente des systèmes des Nations Unies par intérim, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux, honorables invités, permettez-moi d'abord de joindre ma voix à celle de mes collègues pour à mon tour souhaiter la bienvenue et un agréable séjour aux délégations venues des pays amis. C'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée réunie pour dénoncer une fois encore l'épineux problème des mutilations génitales féminines qui touche, d'après les enquêtes et les études récentes, la quasi-totalité des femmes et des filles de notre pays. Le département dont j'ai la charge est doublement concerné par ces défis. Il s'agit à la fois d'un problème des droits de l'homme et d'un fait délictuel puni par nos lois. En adoptant en 1992 une constitution moderne et respectueuse des droits de l'homme, notre pays s'est engagé à garantir à chaque individu, et je cite, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Les mutilations génitales féminines constituent sans conteste une violation grave du droit à l'intégrité de la personne et parfois même, il faut le dire haut et fort, une violation du droit à la vie en ce sens qu'elles peuvent être la cause du décès de nombreuses femmes et filles. Notre pays a renouvelé son engagement en 1995 avec l'adoption du Code pénal et du Code de procédure pénale qui tous les deux comportent des dispositions qui pénalisent les MGF. Je citerai le fameux article 333 du Code pénal qui stipule « Les violences ayant entraîné une mutilation génitale sont punies de 5 années d'emprisonnement et d'1 000 000 de francs d'amende. » Un engagement avant-gardiste qui, malheureusement, n'a jamais été mis en œuvre. Encouragé par la détermination de son Excellence Madame la Première Dame face à ces fléaux, le pouvoir public est à nouveau intervenu pour réformer l'article 333. Cette réforme, matérialisée par une loi du 19 juillet 2009, élargit le champ d'application et désormais toute personne ayant eu connaissance d'un projet d'excision ou d'une excision est tenue d'alerter les autorités judiciaires, à défaut de quoi elle s'expose à des sanctions pénales assez dures. La nouvelle loi punit également les instigateurs et les complices, c'est-à-dire les parents qui demandent l'excision de leurs filles et les voisines qui participent à l'acte en apportant ne serait-ce que la lame du rasoir qui servira à l'opération. Jusqu'à ce jour, il ne nous a pas été possible d'appliquer cet important arsenal juridique, sans doute à cause d'une société qui n'était pas entièrement prête à protéger contre la barbarie une de ses couches les plus vulnérables. Comme on dit, on ne change pas la société par des textes, par contre, elle change elle-même avec l'évolution des mentalités et fort heureusement, c'est ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Donc, nous n'avons plus d'excuses pour ne pas appliquer la loi et ainsi protéger efficacement nos fillettes de cette souffrance à vie.
Je m'assurerai que l'appareil judiciaire, dans son ensemble, puisse se mettre au travail pour détecter, poursuivre et, les cas échéants, condamner ceux qui s'associent à cette pratique dans notre âge. Je m'assurerai également que les honorables citoyens qui portent à notre connaissance des cas de MGF soient protégés. Je m'assurerai aussi que les justiciables dont les filles sont victimes des MGF soient assistés et soutenus face aux auteurs, complices et instigateurs. Avant de terminer mon discours, je salue l'immense travail accompli dans ce domaine par Son Excellence, Madame la Première Dame et l'Union nationale des femmes djiboutiennes dont elle préside. Je félicite aussi les partenaires nationaux et internationaux qui ont organisé de manière professionnelle et avec succès cette conférence internationale. La justice sera à vos côtés et aux côtés des victimes. Je vous remercie de votre aimable attention.